Vidéo où nous allons aborder le renforcement de l'arrière du dos avec un travail d'équilibre et de coordination. Deux qualités essentielles dans toutes les formes de déplacement, dans toutes les activités physiques et sportives. Il faut savoir bien évidemment être en équilibre, autrement il n'y a pas de transfert des forces possible. Et également, me semble-t-il, être coordonné pour associer le haut du bas, jambe droite, jambe gauche, de manière automatique pour être le plus performant au quotidien ou alors dans une activité bien évidemment sportive. On s'installe ensemble, nous sommes bien placés, on va être sur le dos, donc on va placer un premier travail, relevé de genoux, je suis en équilibre et on passe, hop, le travail de tirage, pointe de pied vers le tibia, 6, allez on tient, 7, 8, 9, 10 et on relâche. Je relève, pointe de pied, allez, stabiliser, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dernier, et on relâche. Hop, on récupère simplement. 2. Permet d'étirer un peu le muscle pectoral et les muscles de l'avant. On relâche en inverse. Nous reprenons nos mouvements de renforcement du dos avec un travail cette fois-ci de relever le genou alterné. Donc nous sommes dans l'équilibre et dans la coordination. Hop, voilà, très souple. 2. Le genou pas trop haut. Sur 5 secondes, on va venir les bras. Hop, on fléchit et on enroule. Tout doucement pour trouver une position de bras. Dernière série de renforcement et de modification de l'arrière du dos. On va essayer de placer la tâche au niveau du sternum. Là, on va exagérer un peu le travail de coordination, parce que nous allons faire un tirage à droite et relever le genou à gauche. Donc, on sonne ici. 1, 2, 3, 4. Bien fort sur la jambe d'appui. 5.
Voilà.